McFly et Carlito, moi j'apprécie beaucoup. Je sais pas si vous avez vu leur live vendredi soir. Moi j'ai vu juste des réactions de live où en fait compte ils ont battu leur record de train de la hype. Là il y a marqué 28 000 mais je crois qu'ils sont ah non c'est maintenant il a 46 000%. Alors ce qui est cool c'est que moi je trouve que c'est cool, ils ont fait un jeu qui était peu joué, donc c'est bien parce que ils auraient pu faire du Fortnite, voilà, ils auraient pu faire du Fortnite pour être un peu sûr de, enfin encore plus, ils ont fait des pointes à 50 000, 60 000 spectateurs, c'est énorme pour Twitch, et ils ont fait un train de live de 46 000%. Là où il y a un petit truc, tu vois, il y a un petit truc qui est un peu bizarre, c'est quand même qu'ils poussaient vraiment à l'engagement. Donc bon. Après c'est Twitch, on s'américanise de plus en plus, ils poussent un peu l'engagement, mais c'est comme ça. Je trouve que voilà, il y a un côté où, où c'est peut-être un peu trop, tu vois, moi je trouve que, bon, on essaie de pousser, moi je dis jamais qu'on fait pas ça aussi un peu pour l'argent, mais de pousser comme ça, je trouve que c'était un peu too much, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, mais moi bon, c'est parce qu'il y a Dwagby qui est là et que Dwagby s'en bat les couilles, il a raison, tu vois. Moi c'est pas une critique que je fais, hein, c'est juste un... Parce que moi j'aime beaucoup McFly et Carito, je trouve qu'ils font du boulot. Ouais, non, mais bien sûr. Et moi, je trouve que d'amener des McFly et Carito au sein de Twitch, c'est vachement bien parce que bah du coup, ça apporte du genre, ça apporte de la communauté et c'est trop intéressant. Bref, voilà. Donc, 46 000%, c'est énorme. Un train de live à 46 000%. Ils ont fait 3000 subs sur ce truc-là, je crois. 3000 subs. Vous vous rendez compte que c'est 3000 subs? Moi, pour moi, ça ne me gêne pas les gens stream pour des subs. Mais parce que je suis. Sur ce côté-là, c'est mon seul côté de droite. C'est mon seul côté de droite. Parce qu'en fait, ils font un boulot. Et c'est tout. Et du coup, voilà. Bien sûr. Ici, si vous êtes sur un live de droite, bien sûr. L'argent, là. Voilà. Donc ouais, vidéo de ouf, Mario Kart bleu. Où en fait, compte, vous savez, c'est ils jouent à Mario Kart, celui qui perd, ils achètent un gros truc. Là, ils étaient sponsor par une marque de banque. Voilà, je ne sais plus le nom, ça on s'en fout, c'est pas intéressant. Ils ont joué au Mario Kart, tu sais, avec les vrais jouets. Ça, c'est trop bien. Ça me donne trop envie. Laisse tomber. J'ai trop envie d'y aller. J'ai trop envie de le faire. Et petit truc, le dernier, le perdant, a dû acheter une maison. Alors il y a des ils ont une maison à 4000 balles hein, donc c'est pas une grosse maison. Et en fait c'est une maison à 4000 balles. Donc ils ont acheté Joyka en fait a acheté une maison à 4000 balles. Et ils sont allés là-bas. Et en fait ils l'ont acheté que sur le bon coin. Alors je sais pas ce qui est vrai, ce qu'il faut de ce qui a été préparé ou pas. Je ne sais pas. J'aime bien l'idée de croire que ça a été fait un peu naturellement parce que je suis un nounours. Voilà, c'est la vie. En tout cas, voilà. Et donc, ils ont acheté une maison à 4000 balles. Alors, c'est une maison, c'est un F2. Hein, donc, voilà. Et ils sont allés dormir là-bas et ils vont la retaper. Et je trouve. Et en fait, c'est à l'américaine. Là, on est sur un concept un peu américain. C'est Mr. Beast, tous ces trucs-là. Et voilà, je trouve ça, c'est fou. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est peut-être aller trop loin le fait d'acheter une maison? D'acheter une maison, est-ce que ça fait trop loin ou pas? Moi, j'ai trouvé ça un peu fou. Et en même temps, ça peut faire flipper, je comprends, tu vois. Il y a plein de gens qui ont critiqué, bien sûr, on est en France, mais moi j'ai trouvé ça très très cool comme idée. Webedia sont capables de tout, ouais, 100% fake. Je sais pas, moi j'ai travaillé au Webedia, et moi j'ai envie de travailler au Webedia. Mais ouais, 100% fake, je sais pas. En tout cas, moi c'était bien fait, donc du coup, moi ça me dérange pas. Tu sais, c'est comme un film, moi tu sais, tant que c'est bien fait. On est le matin et on chante bien, on va s'amuser, on va rigoler.